Nous sommes rattachés à nos racines. On est marocains, nous sommes restés marocains. Qu'il ne faut pas oublier d'où nous sommes venus. Et s'il y aura un jour la paix avec les Arabes, ce sera grâce au Maroc. Parce que le Maroc, vraiment, c'est un pays avancé. Il n'est pas fanatique comme tu vois pas la haine que tu vois chez les autres pays. Tu vois l'hospitalité. Là, au Maroc, tu vois avec quelle largeur de cœur on t'a reçu là-bas. Et je suis presque sûr que le Maroc va être l'intermédiaire entre Israël et les pays arabes. C'est un peuple généreux, un peuple qui a la crainte de Dieu. Et ça, c'est très important. Parmi tous les pays arabes, il n'y a pas comme le Maroc. Encore une fois, je le dis et je le répète. Allah est Amradar. Il n'y a pas comme le Maroc. Dans tous les points de vue. Tous les points de vue. C'est un pays que Dieu a aimé. C'est un peuple que Dieu a aimé. Surtout grâce à leur roi. Grâce à leur roi. Quand je pense au Maroc, ce qui me revient le plus, Réal, Bachir, Nadir, Siraj, El Mounir, Sidna, Mohamed, Sallallahu, Allah irhamo. Vraiment, Allah irhamo. Moi, je te dis, de temps en temps, surtout quand je suis seul, et des fois quand j'ai quelques douleurs, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ça me revient. J'ai encore, tu vois, ça me sonne dans l'oreille et dans le cœur. La nuit, tu vois, dans le silence de la nuit, et tu entends de loin, tu entends ces vieillards qui pleurent leur roi, hein, qui pleurent leur roi, et crier Ya Latif, Ya Latif. Ça me donne de l'émotion, tu vois. Al-Islam, Sidna, Mohamed. Believe.
فرحت ولعبت وزهيت واللي طلبته قدامي مع الحبيبي كان لي غرامي قولي على شكوتني داك الزين بنتني قولي على شكوتني داك الزين بنتني هربتي وعلاش نسيت الطعام والفراش شوف من حالي وغدني بالعهد اللي عطيتني Do it.
بنتني دك زين بنتني هربتي وعلاش نسيت التعامل فراش شوف من حالي وغتني بالعهد اللي عدتني وكيف جرحت تنسيتني.